Ok, on a kidnapping sur sur le con là du vigneron. Ils vont capter hein. Ils vont gagner une mille. Ils sont où les autres? Non, c'est bon, tranquille, ils sont partis. Ils ont la main. Non, ils sont partis. Non, ils sont pas partis, ne me foutez pas de ma gueule. Monsieur le capitaine, Fab, laisse-moi parler. Laissez Fab parler. Non, mais si vous y allez, on va avoir des emmerdes. Ah oui, mais c'est où? Non, mais Fab. Ok, donc d'accord, donc vous êtes prêt à laisser crever Donna, c'est ça, on est d'accord? Mais si vous y allez, on crève tous. Le problème, c'est que là, si on laisse Donna meurt. Mais ouais, mais je crois que Donna il meurt beaucoup quoi qu'il arrive. Ah, donc vaut mieux le sauver quoi. Bah attendez, descendez de votre voiture, je peux vous montrer où c'est. Non, je le sens pas. Oui, racontez-moi. Si je vous dis, j'aurai pas de problème, hein, vous promettez. Non, je dirais pas que c'est vous. Ouais, mais je crois qu'ils vont s'en douter. Mais non. C'est en bas de la colline par là-bas. Donna il est juste en bas de la colline. Ok. En bas, là-bas, la colline. En bas. Ok. Dites pas que c'est nous. Ok, je m'en vais d'ici. Ok, parfait. Cachez-vous. LSPD, les mains en l'air. Vous êtes cernés. Les mains en l'air. Je m'avance. On me couvre. Les mains en l'air. Je vous amène un négociateur. Quelles sont vos revendications? Bonjour capitaine, alors non, pour une fois c'est pas nous, on fait médiateur pour éviter qu'il s'entretout, je vous explique. Ok. Il essaye de vous avoir deux fois, mais vous décrochez pas, je vous assoule. Comme à chaque fois vous me balancez ça? En fait, il vous explique, nous avons monsieur Dounassien qui hier a fait une prise d'otage avec monsieur Cox, d'accord? Jusque là tout va bien. Okay. Pero derrière, ils se sont tous réenlevés. Oui. Pour se tuer dans tous les sens. Ils sont vraiment cons, putain. C'est un tel qui a fait un tel ou pas un tel qui a fait un tel. Okay. Cependant, nous, Vagos, on savait, il a attrapé tout le monde pour dire stop. Oui, ouais, il vous a appelé pour dire qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution et qu'il n'y ait pas de mort. Il vous a promis en tout pari. Allez, on y va. Alors, on y va. On y va. Allez. Et d'accord. Allez, on y va. Ok, à toute unité, n'attaquez pas. Hein. Attendez, tout se passe bien. Il n'y a personne n'est qu'un otage. Hein. Et ben là, vous êtes tous cernés. Hein. Pour vous dire, il y a un sniper, 10 dans l'hélico, enfin 10 dans la plaîne. Bon, mon capitaine. Attends, y a Panny qui doit venir. Oui, y a Panny qui doit venir. On va l'attendre. Alors. Attendez, mon capitaine, juste je peux vous dire un truc. Venez voir mon capitaine, s'il vous plaît. Arrive. Attendez-moi. À romper, on n'est pas à l'armée là. J'ai vu Chloé. Elle me dit qu'elle se plaît pas trop les SMS. C'est tout. C'était juste ça que vous voulez parler. On s'en fout de ça. Vous êtes pas gentil avec Chloé, pourquoi mais vous êtes gentil? Non, mais là, on est. Attendez, vous êtes en train de faire attendre les 4 pour une qui veut rentrer alors qu'elle est mythomane. Mais non, mais parce que moi, elle m'a vu, elle est prête à démissionner du SMS et quitter la ville. Hein. Quitter la ville? C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ses propres mots. Ok, on en parlera. Et sinon? L'idéal, ce serait qu'elle soit là et qu'elle débarque et qu'elle dise tout ce qu'elle a sur le cœur, ses motivations, etc. etc. Ça, ce serait vraiment. Vraiment l'idéal, mon capitaine. Monsieur le capitaine. Oh, Chloé, vous êtes là. C'est tout ce qu'elle a à dire? Bah, écoute, monsieur le capitaine. Ok. Ah ouais, elle a vraiment beaucoup de choses sur son cœur. Mais j'ai des problèmes de corde vocale, pardon. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire la petite réunion avec les autres flics et je reviens pour quand tout est bon, d'accord? Non, monsieur mon capitaine. Oui. J'ai plein de choses à vous dire, monsieur le capitaine. Oui. Écrivez une lettre de motivation pendant qu'on fait notre réunion. Oui, on revient. Préparez tout. Je retourne sur le bureau, j'arrive. Oui, sur le bureau, allez-y, oui. Voilà. Vous m'écoutez? Oui. Je vous présente Chloé, une future recrue du SPD. Oh. D'accord. Oui. Attendez. Bonjour, monsieur le capitaine Boyd, Bill de son prénom. Je me présente aujourd'hui à vous, moi Chloé Sterling, afin de postuler au merveilleux poste de la/le LSPD. Je suis présentement employée, dévouée à l'hôpital de la ville de Los Santos, où j'ai sauvé beaucoup de vies. Okay. Entre parenthèses, sauf le premier jour. Okay. Malheureusement, ce poste ne me comble plus de bonheur, et j'aimerais ainsi rejoindre la/le LSPD pour servir au nom du respect et de la loi, comme vous, monsieur le capitaine. Ok. C'est beau, bravo Chloé. Merci, monsieur Cuc. Mais vous savez que si vous rentrez dans le SPD, vous n'aurez pas trop de temps pour vous amuser. Bah vous savez qu'à l'hôpital, on s'amuse déjà pas très beaucoup. Ouais. Dans le SPD, on s'amuse pas trop non plus. Hein.
Bah oui, mais peut-être que je m'y plairais plus. Ok, et votre amie, vous en avez parlé, votre amie Abby? Elle est pas là aujourd'hui, elle est très malade. Ok. Bon bah on va en parler avec votre amie, comme ça, si vous rentrez, c'est ensemble. D'accord. Une par une, comme ça au moins, vous rentrez ensemble, les mains à la main, et pas une avant l'autre. Comme ça, il n'y a pas de la compétition, mais de la famille. Allez, faites du bon boulot, essayez de sauver des gens. Oui, dites-moi. Oui, est-ce que je peux vous entretenir Oui, entretenez-moi. Seul à seul, oui. Monsieur le capitaine, juste une information que je peux vous communiquer, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Gérard Pichon va retirer sa plainte contre Donna Dalmatien, là. Ah, ok. Et il va lui donner 200 000 balles de dommages à intérêt, il nous redit quand il a reçu les 200 000 balles. Attends, mais il va le faire là maintenant? Là, oui, incessamment sous peu, je pense. Non, mais j'ai dit qu'il allait pas payer. Attends. Ah. Pourquoi il doit payer? C'est pas des dommages à intérêt. Oui. Capitaine. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez payer finalement? Mais non, c'est je ne sais pas, je suis là, je veux. Non, moi je ne veux pas payer, mais vu que c'est la loi, je vais le faire. C'est la loi, je vais le faire. Bah, la loi veut que je paye mes dommages et intérêts, non? Bah, attendez, je vous rappelle. Oui, mais... Pourquoi il doit payer là? Je comprends pas. On n'a pas encore fait le truc. Pourquoi 200 000 et il doit réduire? On doit réduire. Non, mais en fait, c'est comme ça. Donatien, il a pas de plainte sur lui en fait. Oui, mais il doit pas payer 200 000, il doit payer 100 000, on va dire, on va réduire. Bah, s'ils sont convenus de ça. Non, personne n'a convenu ça. On va s'en occuper. Oh bah, je vous allô, oui. Oui, capitaine, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dommages d'intérêt de 4000 dollars? Non, attendez. Vous savez quoi? On termine. On arrive dans 20 minutes, ok? Dans 10 minutes, en haut, ok? 10 minutes, on est devant Unicorn, on vous attend. Ok, parfait. Très bien. Enfin, littéralement. Capitaine! Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Bon. Oh là là, capitaine! Bonjour, monsieur. On peut se mettre d'accord sur notre différent. Alors, venez. Bah, on va pas venir devant tout le monde. Il y a le journaliste qui va venir voir. Est-ce que je peux ramener les témoins qui étaient dans la prise d'otage? Non, allez, venez. Pourquoi non? Bah parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, en fait. Jim m'a annoncé qu'on lui a volé de l'argent lors de la prise d'otage. Oui, d'accord, ok, c'est bien. Oui. Alors. D'accord, vous allez là vous en foutre. Complètement. Non, mais Jim, il a été volé combien? Bah, on est dans les 50 000 qui ont disparu à la prise d'otage. Ouais, je pense que c'est 250 000. Oui, donc alors. Dites-moi. Non, mais dans les 50 000, mais moi je suis prêt à oublier ça si monsieur de Montazac me règle dommages et intérêts pour agression à 200 000. Et on est qui? Bien sûr. Vous savez que ce qu'il a fait, il a payé. Il allait en prison pour ça. Oui, et moi, on m'a fait perdre, on m'a complètement mis dans une situation périlleuse, on m'a volé de l'argent et rien, il se passe rien, il n'y a pas de dommages et intérêts. Oui, ok. Qu'est-ce que c'est que ce système? Quand vous avez fait la même chose, est-ce qu'on a fait rebelote pour les victimes que vous avez kidnappées, monsieur Pigeon? J'ai jamais agressé quelqu'un. Monsieur Pichon, s'il vous plaît, monsieur Pichon. Mais je peux jamais employé si vous désirez. Ici, la loi, nous sommes en USA, ok? C'est-à-dire que si vous faites une connerie, vous payez. Et vous payez l'amende et vous payez la prison. Et ils ont été payés. Il a payé, il a pris 50 000 dollars ou 100 000 dollars et il a pris 2 heures ou 3 heures. Il a payé sa dette à la société. Il a payé la dette pour ce qu'il a fait contre vous. Vous m'avez fait perdre mon temps, vous m'avez agressé, vous m'avez volé de l'argent, maintenant vous me rendez au minimum 50 000, sinon je retire pas ma plainte. Soyez un adulte et crachez les 50 000, je crois que votre business marche plutôt bien, monsieur, hein? Bah là en ce moment pas tellement, vu que je me retrouve tout le temps en bourbelle dans mes affaires, j'ai pas le temps de mon vin. Qui m'aide pas en venir votre... Monsieur, on va vraiment donner 200 000 dollars à monsieur Pichon? Non, vous avez pas payé 200 000 dollars. Je suis raisonnable, je parle de 50 000. Et du coup les 4 autres, les 3 autres vont payer quoi alors, si je paye 50 000? Non, je gère pour les 3 autres. Vous en vendrez pas après. Ok, alors c'est simple, stop maintenant, on arrête là-dessus. S'il y a les 4 autres et que vous voulez 50 000 dollars, vous payez le quart des 50 000 dollars. Quoi? Le quart des 50 000? Oui, tout à fait. Attendez, je comprends pas ce que vous faites là. En fait, je vais vous expliquer. Ils étaient 4, donc c'est un quart. Et vu que vous venez de dire que vous occupez les 3 autres, bah vous payez les quarts des 50 000 dollars et on oublie tout. Quoi? Ouais, 12 500. Comment tout loupe là? Il m'a volé à mon groupe 50 000, il me rend 50 000, c'est bon. Donc ils étaient 4, monsieur, vous venez de le dire. Et, oui, et vous avez dit que les 3 autres, vous allez en occuper. Donc voilà ce que les 3 autres doivent payer. Ouais. Mais c'est lui qui nous a braqué, qui nous a pris l'argent. Non, c'est les 4, c'est les 4, les 4. Oui, les 4 l'ont fait. D'accord, je vois comment ça marche. C'est simple, soit on fait soit vous dégagez, vous prenez rien du tout. Non mais je trouve que vous protégez bien le monsieur de... Je ne protège rien du tout. Excusez-moi. Monsieur Pichon, nous avons des preuves que finalement les 3 autres, vous êtes un peu pote ensemble. Bon, quelle preuve? Ouais, les preuves qu'eux-mêmes nous le disent en fait. Ah bon? Je les ai vus juste tout à l'heure. Ah bah oui, c'est nouveau, oui.
Vous allez croire ce que les malfaiteurs qui m'ont enlevé vous disent, du coup. Bah, en fait, à l'instant, oui, maintenant, je peux le croire, parce que vous venez de le dire que vous allez vous occuper des trois autres. Donc, comme par hasard... De quoi vous parlez, là? C'est vous, le commanditaire. C'est moi que je... C'est vous, j'ai un problème avec vous. C'est pas moi, c'est Cox, le commanditaire. Oh, vous êtes quoi? Vous êtes gros. Monsieur Jimmy, s'il vous plaît, vous pouvez partir en... Merci, vous avez Jimmy. En fait, privée. J'aurais voulu avoir des dommages d'intérêt parce que j'ai été pris en otage par ce monsieur, en voilà, fait. Voilà, et voilà, c'était bien ce qu'on était parti, voilà. Donc, vous savez quoi? On en arrive là, personne ne paye personne, il a payé sa dette. Ouais, bonne soirée, voilà, vous. Voilà, allez. Très bien, merci à tous. Monsieur le capitaine. Ah non, capitaine. Dites-moi, oui, oui. Je voulais vous parler d'un truc... Oui. Très important aujourd'hui. Je me suis senti complètement offusqué par quelqu'un et du coup, je voulais en profiter pour, bah pour vous niquer une deuxième fois. Allez, tenez, allez, hop là. C'est ça que j'avais oublié, je vous avais oublié en plus. Ça quand même. Poussez-vous. Non, chopez-le, empêchez-le, collez-vous, collez-vous. Capitaine, qu'est-ce que vous faites? C'est bon, allez, mais pourquoi? Pourquoi vous l'avez tasé? Parce qu'il m'a donné, il m'a donné 20 000 $, donc je lui ai rendu les 20 000 $. Ah oui, capitaine, cette jeune infirmière n'aimerait déposer un dépôt de plainte contre le Joker. Putain. Oui, je vais donc prendre une salle. Ah non, monsieur, non, monsieur, on s'est fait. Mais 2000, attendez, poussez-vous. Ah, putain. Bon, on y va, on se casse, visite. Bravo. Allô? Capitaine? Oui. Écoutez, j'ai licencié l'ancien docteur Sterling. Mais putain! Parce qu'elle voudrait vraiment travailler chez vous. Mais merde, je voulais pas! Je vous la refous parce que de toute façon, elle est malheureuse ici, cher ami. Eh, vous me la refourguez, je la connais cette technique, hein. Vous m'aurez pas, mon cher ami, vous m'aurez pas! Non, non, je veux pas, moi. Oh là, capitaine, capitaine, je vais mourir, capitaine. Capitaine, sortez de là, lâchez. Il y a mon téléphone. Allez-y, sortez de là. Bonjour, vous allez bien? Oui, sortez de là. Oui, mais attendez, amenez-moi là, mais amenez-moi les ligands. Le bâtard, il m'a refourgué encore les 20 000 là. Non mais, attendez, je veux la voir. Attrapez-le, attrapez-le. Loupé. Il repart à l'unicorne. Oh. Dans la voiture, devant moi, mon capitaine, à l'entrée de l'unicorne. On bouge plus, on bouge plus. On bouge plus. On est cerné, on est cerné. On y va, on dégage, on dégage, on dégage. Ah, l'enfoiré de Sosa, chope-le, Thomas, chope-le, chope-le. Vite, vite, vite. Il y a le FBI. C'est le FBI, suivez, suivez. Allons voir où ils vont. Ok. Ah, ils mettent les sirènes directement, hein. Ils nous ont repérés, je pense, hein. Poussez-la à la faute, mon capitaine. Poussez-la à la faute. Regardez pas. Oh merde. Ah. Droite. Ouf. La ceinture. La ceinture. La ceinture. Oh là là. Mon capitaine. La ceinture. Eh oui, oui. Oui, allô capitaine de la police, qui est bientôt mon futur patron. Allô, oui, qu'est-ce qui s'est passé avec le SMS? Bah, je leur ai dit, j'ai parlé à Docteur Maison. Oui. Et je lui ai dit, sortez. Vous êtes où? Vous êtes où? Elle a pris un coup de taser. Allô? Vous êtes où? Je suis à l'hôpital, c'est un collègue qui m'a tasé. Oui, il y a des coups de feu. Elle est pour l'SMS. LSMS, j'écoute. Vous êtes où? Oui, on est au LSMS. On est au LSMS. On y est, vous êtes quoi, au premier étage, au rez-de-chaussée? Au bureau, je suis ami. On n'a rien pris d'illégal, capitaine, c'est promis. Et Raccoon, il fait des lap dance très sympas. J'ai déjà su, c'est un pote. Ne conduisez pas un hélicoptère bourré, les enfants. Get down. C'est bon. Qui a tiré? Qui a tiré? Ils m'ont soigné. On va dire qu'on a fait un pot de départ un petit peu olé olé. LSPD. LSPD, get down. Get down, LSPD, get down. Get down. Rangez votre arme, Vanessa. Oh bah d'accord, je me get down. Get down. Où est Maison? Allô, Maison. Maison, il est parti voir Donatien. Et nous,
juste on s'enjaille, c'est okay, tout. Okay. On a eu peur, on a entendu des coups de feu. Ah oui. Des coups de feu. Ah non, c'était les bouteilles de champagne, ça. On a débouché le champagne. Ah ok. Oui. Et comme je les ai débouchés avec mon pistolet, ça a fait du bruit. Oui, ok, je comprends. On les a okay. sabrés, mais on les a pistolés plutôt. Il dit toute la vérité, parce qu'il okay. a la vérité. Il a pris de... Et toutes les vérités sont pas bonnes à entendre. Il a pris de la feuille de vérité. Du coup, il dit toutes les vérités, capitaine. Ok, parfait. Bon, bah, ok. Bah, on vous laisse. Désolé de vous avoir dérangé. On vous laisse pour cette peau de départ. Vous voulez voir les lapdances de Basile ? Bisous, lieutenant. On a des choses à gérer, vous inquiétez pas. Bisous. Capitaine. Raccoon. Oula. Vous voulez vous marier avec moi, capitaine ? Non, merci, non, merci. Je vais la redonner. Non, merci. Oui, allô ? Des câbles ? Oui. Non, c'était des bagues en or. Attends, moi, regarde ce que j'ai trouvé chez moi. Attends, mets-toi devant moi plutôt. Je suis désolée, Daniel. Elle est où ? Mais j'ai démissionné. Vous êtes où ? C'est la chenille. Ah, est-ce que tu peux m'envoyer ta position GPS ? En avant les. Non, mais j'ai vraiment besoin d'un massage de couilles, moi. Mais non, mais la chenille part toujours. Vas-y, mais s'en fout. Bon, venez avec Vanessa là. On va sauver une vie. Oui, mon capitaine. Oui. Oh là là, c'est un peu ma première mission là ? Mettez-vous derrière. Vanessa, on prend Vanessa. Vanessa, montez. Vanessa, elle part à la porte. Vanessa, montez, Vina. Oui, j'arrive. Oui. Oula. Oh allez. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous. C'est Daniel Croûte qui m'a appelé pour son frère. Ouais. Ils ont cramé le camion. Et là, ça va pas. Ils ont cramé le camion ? Oui, ils ont cramé le camion. Le camion, il a explosé apparemment. Et pourquoi ils l'ont cramé ? Ça, j'en sais rien. Attendez, une question. Oui. Vous pouvez sortir deux secondes ? Sortez de la voiture. J'arrive pas à sortir. Si, vous pouvez sortir, il faut enlever la ceinture. Il faut juste retirer la ceinture en fait. Hein. Mais je peux pas sortir. Si. Voilà. Est-ce que je peux avoir votre carte d'identité ? Voilà, j'en étais sûr. Allez. Non, monsieur le capitaine. Non, mais attendez, calmez-vous, venez. Vous voulez voir ma date de naissance ? Déjà, oui, donnez-moi votre carte d'identité. Non, mais j'ai la majorité sexuelle. C'est pas du tout ça. Ça pas, laissez-moi tranquille. Ok, donc vous voulez pas faire au l'espidier là ? Bah si. Ok, bah donnez-moi. Donc il faut faire l'amour pour aller à la police. Je vous ai jamais demandé ça. Donnez déjà juste votre carte d'identité, pas vos permis d'abord. Non. Ah si. J'ai pas ma carte d'identité. Si, vous l'avez. Attendez. Non, vous l'avez dans tous les cas. Non. Je cherche sur moi, mais. Ah, c'est simple. C'est pas vrai. Je crois que c'est dans mon uniforme. Ok. Ok, je vais vous dire un truc. Demain. Allez, docteur Maison. Écoutez-moi, demain. Demain, si vous voulez trouver l'SPD, déjà, il faut que vous soyez avec votre binôme. Premier mois. Vous savez ce que je fais demain ? Attendez, j'ai pas fini. Oui, oui. Vous devez avec votre carte d'identité. Oui. Plus tous les permis. Oui. Tous les permis ? Comment ça, tous les permis ? Le permis de tout ? Permis de voiture, permis port d'armes, permis de moto, permis de camion et permis d'hélico, tiens. Bah, j'ai déjà tout, ça tombe bien. Ok, montrez-le-moi. Mais je vous dis, j'ai... Dans mon vestiaire, il faut appeler docteur Maison. Non, ok. Mais alors, ça va être un bordel, monstre. Non, demain, je vous veux avec tout ça, ok ? Oui. Ok. Demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Oui. Vous vous êtes fait disputer, Sterling ? Non, il m'a demandé mes permis, mais j'ai oublié tout à l'hôpital. Du coup, bon, bah, je donnerai demain, quoi. Demain, vous voulez dire que vous avez conduit du véhicule du LSMS sans permis, Sterling ? Non ! Ça va pas la tête ou quoi ? J'ai tout oublié à l'hôpital. Vous êtes une petite filoute. Moi, au début, j'ai conduit sans permis et grâce au lieutenant Cuc, j'ai passé le permis. Ah. Vous avez conduit alors, sans permis. Alors, capitaine, qu'est-ce que vous alliez dire ? Non mais Madame Sterling. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Sterling, il va falloir qu'on parle tête à tête. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer au LSPD, il faut assumer. Je ne vais pas faire amour. Non mais j'en ai rien à foutre, vous croyez vraiment, je toucherai même pas avec bâton, alors calmez-vous. Donc, mais il est homosexuel, le capitaine, vous êtes bête. Le truc que je vous dis, le point important, c'est que vous, il faut assumer, il faut être honnête et arrêter de faire la mythomane. Mais je suis pas mythomane. D'accord, donc arrête. Vous êtes en train de me dire que vous avez votre permis, c'est ça ? Tout ? Bah, je l'ai égaré. Égaré quoi ? Non, mais soyez honnête, arrêtez de dire que vous l'avez égaré. Sinon, c'est simple. Je vous laisse à l'hôpital et on vous attend que vous trouverez vos papiers de votre identité et vos permis. Demain, je viens avec mon permis sur la table. Ma carte d'identité, d'accord. Ma date de naissance, mon permis de chasse, mon permis de pêche, mon permis de camion, mon permis d'hélico. Ah non, ça fait beaucoup parce que vous savez, c'est très long à passer tout ça, Sterling. Si bon bah, juste le permis de conduire. Si j'étais vous, je m'arrange, je m'engagerais pas. C'est vrai, sinon, vous allez passer une très longue nuit pas très intéressante.
Mais le début, c'est permis de conduire, moto, et étape par étape, jour par jour. Si vous voulez pas tout faire d'un coup. Oui, d'accord. Et... vous avez vraiment. Mais de toute façon, j'ai déjà mon permis de voiture, c'est juste que je vais vous le ramener. Eh, je vais vous menoter. Je vais vous mettre en cellule. Si vous mentez et que je vous fouille et que je vous trouve vos permis et que vous n'avez pas vos permis, c'est fini. Madame Sterling, je vous ai dit, si vous voulez être l'SPD, il faut assumer, c'est pas grave que vous n'ayez pas vos permis. Vous allez passer, vous êtes venu il y a deux jours, vous ne saviez pas. Oui. Donc arrêtez de me raconter des histoires, non? Oui. Alors, dites-moi. Je vous ramènerai demain sur le bureau. C'est vraiment incroyable. Vous savez dire que là vous l'avez, c'est ça? Mais non, je vous ai dit, il n'est pas sur moi. Oui, non, mais je sais. Mon permis n'est pas sur moi. Vous êtes en train de me dire que vous avez le permis, vous avez tous les permis, sauf que vous ne les avez pas sur vous. Si demain ou ce soir. Je vous ai dit que j'ai pas le permis sur moi là actuellement, oui, okay. Je vous l'amène demain. D'accord. À 9h, première heure, paf. Si ce soir, demain ou dans la nuit, je vous vois passer votre permis, c'est fini. Vous êtes viré. Enfin, vous ne serez pas recruté, ok? Faites attention parce que vous savez ce qui va se passer. Je vais rester 24h sur 24 devant l'auto-école. Je préfère vous avertir. Vous savez que je m'entends super bien avec le mec de l'auto-école et il se trouve qu'en ce moment on se voit. Non. On se fait des petits plats. Des je vous le dis, soyez prêts. Oui, il est. Vous le trouvez? Non, je vais. Mais si, mais on trouve personne. Vous n'avez pas trouvé? C'est Marius qui a utilisé une autre roue et ils sont tous repartis. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Ouais, capitaine. Okay. Oui, Marius, il faut que je t'explique un truc. Que je viens d'engueuler la personne qui a réanimé cette personne. Oui, parce qu'accessoirement, c'est le copain du capitaine. Non, mais on va pas faire une perquise pour un défibrillateur. Oh de... J'ai juste te fait peur, espèce de con. C'est vrai, capitaine? De quoi? Vous avez un petit copain? Oui, c'est vrai. Non, c'est pas mon petit copain, c'est un... Non, c'est un bon ami, c'est tout. Venez au SMS, je vous dis. Oui, comme moi, j'ai une bonne amie. Moi, ma bonne amie, c'est Vanessa. Ah, moi, j'ai pas de bonne amie comme vous, hein. Moi, je suis célibataire, contrairement à vous. Non, bah écoutez, venez au SMS, j'ai du Viagra et des préservatifs. Non, mais vous vous trompez, vous égarez. On parle du unicorn, je peux vous présenter Cyril, appelé l'étalon blanc, il suce comme un roi, si vous voulez. Non, merci. Merci beaucoup pour ça, mon cher ami. Et moi, je vous en prie, cher. Remarque, vous connaissez bien. Je croyais que le blanc c'était en rapport avec la chemise du capitaine, justement, moi. Eh oui, bah, c'est que, voyez-vous, il tâche vite, voyez-vous. J'ai déjà été masturbateur du poussin. Attends, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Oh. Je vais vous laisser tous les... Attendez, faites la blague. Avancez. Monsieur le capitaine, arrêtez. Oui, dites-moi. Ah merde. C'est une blague qui ne devient jamais vieille, comme on dit. Oui, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous courez vite, hein. Lâchez pas, hein. Tenez bon, tout va bien se passer. Ouais, lâchez pas. C'est un test si vous méritez. Parlez plus fort. Je vais mettre ma ceinture. Vous êtes où, officier Panis? Bah, elle était devant, on lui est passé devant. Ok, rendez-vous à l'église. Moi, je crois que ma main est coincée. Coincée où? Bah, vous voyez pas ma main qui sort de la fenêtre. Sortez votre main dans le cul, voilà, c'est bien. Là, non, mais vous faites quoi là? Non, mais. Ça va aller, Chloé? Ça va, Chloé? Bah, ouais, mais j'ai perdu mon pantalon sur la route. Ah, oui? Il s'est tout déchiré, non? Bah, oui! Ouais, je suis un peu gênée, Chloé, parce que j'ai plus de pantalon. Est-ce que quelqu'un peut me prêter? Je vais peut-être demander à monsieur mon père. Par contre, ça vous va bien. Le curé ne répond pas. Hein. Merci, monsieur le capitaine. Dommage que la cellulite dépasse, quoi. Oh! Pas d'accord. Doucement, Vanessa, me criez pas comme ça, elle est quand même. Pardon, désolé. Ah, putain, vous êtes un malin, mon capitaine. Hein. Venez dans l'église, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Oui, j'arrive. De rien, officier. Mais pourquoi elle a plus de pantalon là? C'est un cadeau pour le boulot que vous avez fait pour hier. Attendez, stoppez. Officier Panis. Oui, pardon, oui, je vous avais pas entendu. Oui, c'est un ordre, arrêtez-vous là maintenant. On vous demande d'arrêter, j'arrête. Ok, parfait. Mais c'était sur aussi ça. Go, c'est bon, go. Vous voulez plus être avec. Mais non, mais la technique. Mais c'était la technique pour laisser les deux amours ensemble. Peut-être une très longue route, hein. Oui. Même si je veux pas trop rester avec le capitaine, vous pouvez quand même laisser en slibard devant l'église, hein. Oui, mais pourquoi aller en slibard? On m'a traîné tout le long. Je veux bien, mais bon, le slibard. Course poursuite. Vous échappez, il faut que vous échappez. Attendez, c'est le lieutenant. Bah oui, bah faites pas le malin, si vous le faites pas, voilà, allez go.
Ok, ok, ça marche, capitaine. Je vous laisse une minute pour vous échapper. Mettez la ceinture. Hein. Ouais. Vous avez, je vous laisse une minute. Si vous y arrivez, je vous donne 10 000. Bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, merci pour les 10 000. Hein. Oh, bah voilà, hein, gagné. Hein. J'ai perdu une voiture de fils de pute. Mais il est con, quoi. Oh, vous avez été si nul. Eh, c'est pas pour rien que vous restiez lieutenant toute votre vie. Vous serez jamais capitaine, putain. Non, mais attendez, il me poursuit vraiment là ? Lieutenant, vous suiviez ma voiture de police ? Oui, mon capitaine. Il va où, lieutenant ? Il a eu coma ou pas ? Bah, je pense pas parce que là, il m'emmène en. Ah, bah, dans la police, ça fait pas Jojo, hein, ça va. Un rendez-vous dans le Nord, ok, d'accord. Mais pourquoi il répond pas à la radio ? On va devoir remettre ça alors. Bah, parce que quand on est dans le coma, on répond pas. Non, c'est bon, il est là, c'est juste. Lieutenant ? On est d'accord qu'on a fait une course-poursuite et vous l'avez perdu en 10 secondes la voiture, non ? Oui, parce que vous êtes rentré dans le parking rouge, l'éternel parking rouge, oui. Et pourquoi vous avez raté ça, vous ? Bah parce que j'étais en train de parler en même temps à mon crush. À votre crush ? Ok, bah je vous laisse faire avec votre crush. Excusez-moi. Merci, mon capitaine. Bonne chance. Il est avec son crush. Merci, mon capitaine. Je vous donne un ordre. Surveillez le nord, hein. Ouais, surveillez le nord, s'il vous plaît, merci. Bah, tenez, sortez de la voiture. Je vous paye maintenant. Ouais, putain, y avait pas d'enjeu, capitaine. Vous pourrez les remettre en jeu si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me remets pas du slip, par contre. Rate des lus sur pantalon, capitaine. Mais non, mais elle les a déchirés. Mais non, mais regardez-moi ça, toute la cellule qui dépasse aussi. Vous a pas demandé de regarder, de juger là, dis donc. Mais là, j'en regarde pas, ça dépasse partout, merde. J'ai tué Vanessa. Mais vraiment, vous êtes où ? Putain, mais il a tué Vanessa, mais il est capitaine, vous avez pas fait la mort depuis au moins 10 ans. À qui vous. Passant, on va être tendu. Est-ce qu'on peut passer dans une boutique de vêtements, s'il vous plaît, pour que je m'en remette un pantalon ? On y va de ce pas. Là, là. C'est bon, ça va bien. Oui. Une boutique de vêtements. Ok, parfait. Oui, on y va. Allez-y. Capitaine, vous descendez. Pourquoi je vais descendre ? On va pas non plus vous dire là quel pantalon il faut avoir. Vous descendez, s'il vous plaît. Ok. On y va tous ensemble. Oh, c'est horrible. Ouais. S'il vous plaît. Devant, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est assez. Ça me fait peur, tout ça. On vous a pas demandé de commenter. Non, mais je commente pas. Oh là, c'est horrible. Elle comprend rien, elle, non ? Vous faites quoi là, madame ? Bah je vais choisir un pantalon et je vais mettre un pantalon. Là. Ok. Oh. Déjà voilà. Forcé à faire du shopping, c'est quand même horrible, on arrive là. Allez. Bah. Ça va mieux, capitaine ? Là ça va mieux parce que grâce à votre pantalon qui sert vraiment, on dirait vraiment presque que vous êtes... Bon allez. Monsieur Panis. Monsieur Panis. Oui, dites-moi. On peut fumer dans la voiture ? Bien sûr, vous ouvrez juste la fenêtre, c'est tout ce que je demande. Mais putain, elle me crache dessus ! Il y a une fenêtre pour ça ! Oh pardon, mais oui, parce que la voiture va vite ! Oh, connasse, putain. Vous aimez bien la laine de cigarette, monsieur non, le capitaine ? Non, c'est dégueulasse. Putain. Monsieur Panis, c'est horrible ? Oh. C'est pas horrible, là, c'est invivable, en fait. Bon, je vais éteindre ma cigarette, alors je vais acheter pas. Désolé. Comment ça, éteint ? Ah oui. Je l'ai peut-être jeté sur le tapis de... Pardon. Et putain, ramassez-la, va cramer. Ramassez-la. Mais non, c'est bon. Pourquoi vous m'amenez ici ? Pour passer votre permis. Pourquoi faire ? Mais attendez. Ah, parce que c'est important d'avoir des agents qui ont le permis. On peut pas vous recruter si vous avez pas eu le permis. Madame Starling, si vous voulez être policier, il faut qu'on se fasse confiance. Arrêtez de me prendre pour un con, putain de merde. Bah Enrico il va être surpris de me voir et puis bah c'est pas grave, on va juste passer une deuxième fois quoi. Oui, d'accord, oui. N'oubliez pas la moto aussi pour un casque vous et le camion. Vous l'avez capitaine ? Bah oui, j'ai mon permis. Oui. Vous prenez pour qui ? Bah je sais pas, peut-être que vous vouliez le passer avec moi ? Non, merci. Monsieur Panis ? Oui ? Vous avez le permis ? Bien sûr, après il me reste plus beaucoup de poids donc Aïe. Bah je vais aller passer le permis. Allez, bonne chance. Ouais. Bon courage. Même si je vais déjà, hein. Eh, hey, pour la peine, vous m'avez menti, vous passez tous vos permis. Allez, bonne chance. Voilà. Mais j'ai pas menti. Non, vous continuez en plus. Ah oui, c'est... Mais vous avez vu comment elle est ? Il faut passer le permis moto aussi parce qu'on a des motos. Ouais. Voilà, c'est important. N'oubliez pas d'acheter un casque aussi pour la moto. Ouais. Alors, il s'avère que... Faites voir. J'ai déjà un casque. Elle se met dans les phares, elle se prend vraiment pour le centre du monde. Ah ouais, une tête à bite. Parfait, tête à couille. Et toi à côté d'elle ? Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire semblant de partir voir et on va planquer derrière, voir si elle part. Alors on s'en occupe. Elle est sortie pour voir si on était là, t'as vu ça ? Encore heureux ? Elle nous a vu ? Je crois pas. Allez go, regarde, elle est là, go. Tiens, dites-moi. Vous pouvez partir, je suis en date avec Enrico si vous voulez. En date avec Enrico, ouais, c'est ça. Allez, vraiment, hein. Vraiment, vous faites que mentir, Enrico, ça me déçoit. Allez, on se casse. Enrico, dis-leur que vous j'ai mon permis. Non, vous serez jamais au Lespidi, je vous avertis. Allez, on y va, on va chercher, allez go. Allez. Ah oui, monsieur Maison. Comment s'est passé avec bébé ? Vous voulez que je passe vous en parler, cher ami ? Je m'emmerde un peu, c'est bon ça.
Ah, on vient vous chercher devant l'hôpital, comme ça vous vous rentrez. Sortir, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ça. Ah. On vous inquiétez pas, on vient vous chercher. Ah, ok, très bien, cher ami. Alors, racontez-nous. Bah écoutez, on a récupéré la personne hier. Quand nous l'avons retrouvé réveillé et rempli de douleurs, il avait reçu 3 coups de tesson de bouteille, un près du cœur, un sur le poumon gauche et un à l'abdomen, voyez-vous. Lorsque nous l'avons opéré, Monsieur Pichon a fait un arrêt cardiaque. Tout s'est bien passé, aujourd'hui il est toujours parmi nous, nous avons pu le sauver, mais il a failli nous quitter. Oula, c'était pas long, quoi. Très bien, docteur Martoni, je suis avec le capitaine bon, Boyle et l'agent Panis. Au besoin, je suis disponible pour vous. Comment s'est passé ? Racontez-nous. Très bien, mon capitaine, très très bien. Hein. Ça, c'est pas raconté. Hein. Mais je vais pas raconter sur des ondes radio où tout le monde peut nous écouter, mon capitaine. On est que deux, ça va, oh. Vous êtes où, mon capitaine ? On va à l'auto-école. Bah, j'arrive à l'auto-école. Ok. Oui, donc alors, pourquoi vous avez viré Chloé ? Nous avons une discussion, elle et moi, et je voyais qu'elle ne s'épanouissait pas à l'hôpital, voyez-vous, et elle se sentait un peu enfermée. On a un mec un peu agressif au bas, on a été obligé de le taser, vous devriez l'emmener, je pense. Enseignant. Bougez pas, Vanessa, j'arrive. Quelle est cette hurluberlue qui a fait ça? Et donc, après une longue discussion, elle souhaitait rejoindre vos rangs, voyez-vous. C'était une médecin très assidue, même si elle était très véreuse. Ça n'en restait pas moins une bonne... Oui, oui. Comment ça, véreuse? Ah bah écoutez, elle aime l'argent, voyez-vous. Ah oui. Ah oui. Et donc elle a fait des pots de vin, des trucs comme ça? Ah non, genre, je sais pas en tout cas, mais j'ai quand même dû augmenter les salaires en effet. Ah ouais. Ils sont passés de 600$ à 800$. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Donc comme ça j'ai pu monter mon salaire à 2000. Ah ouais. Ah ouais. Okay. Ouais, écoutez, alors, j'ai appris un truc, vous savez combien Monsieur Grimaldi gagne par quart d'heure? Non. $16,000. Combien? $16,000 le quart d'heure. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà. Ah, voilà. Ils se font de la moula sale. Et voilà. Allez, à l'héliport. De sa mère. Je vais où, hein? L'héliport. Un hélico là derrière, à l'ouest que j'entends. Putain! Je viens de recevoir un SMS de Franck. Oh putain! Vous ça va péter! Ça va péter! Ça va péter! Il sera pas là pendant 4 jours. Qui? Franck. Seigneur, il y a eu l'hélicoptère. Ouais. Quoi de beau, quoi de neuf.